Et il peut réagir immédiatement. Bon, ça lui a juste... ça l'a juste rendu vulnérable pour notre tour, en fait. Donc c'est moins bon que ce que j'avais espéré, mais pourquoi pas. Ok, donc toi, t'es obligé de te mettre au sol et... Oh non, mec va jamais survivre. Mais il va jamais survivre. Elle doit survivre à deux autres coups. Ça, elle peut... Oh, waouh. Ok, alors c'est plutôt mauvais. Genre super mauvais. Parce que je crois que littéralement, à part réinitialiser jusqu'à ce qu'il y en ait un des trois qui rate son attaque, et c'est certainement pas le mec à l'arc long qui va le faire, j'ai pas de moyen en fait. Ou alors faut que je recommence tout le chapitre. Ou que je perde Meg. Bizarrement, les deux derniers me vont pas beaucoup. Bah techniquement, toi tu pourrais foncer. Je pense pas que ça changerait grand chose. T'es le seul à pas avoir agi, oui. Si je te mets là, est-ce que ça change quelque chose? Je suis sérieux, je veux dire, c'est le seul truc que je peux vraiment faire. Sinon, faut que je recette, mais... Et bah grave, tant pis pour cette XP là. De toute façon, ça se trouve, ça va pas être maintenu. Fais un coup critique, hein. Ou n'en fais pas, c'est pas grave. Bah, disons que s'il décide de s'acharner sur Sov, ce qui est tout à fait possible, Sov a plus de chances de survivre que Meg. Parce que Sov a genre 20 de défense. Ouais, en plus, ils répartissent leurs attaques. Faut juste que le mec au météore n'achève pas. Et clean. Bon, bah, il fera jamais de critique, je pense. Parce qu'idéalement, j'aimerais peut-être qu'il ait d'autres... truc. Bref, pas grave. Alors, est-ce que le mec au météore fait les 15 de PV qui restent à Meg? Une clé de coffre, ok. Mais arrêtez d'avoir tout ce mouvement! C'est quoi ce délire? Genre, vous avez tous pile poil assez pour atteindre le chevalier noir? Ah, toute cette expérience gâchée, mais si ça avait survivre au Meg, je prends. Ah! Bande d'abrutis. Bref, décédez tous. Et... 11. Elle est encore vivante. C'était juste stupide de l'avoir mise là en mode... elle survivra probablement. Non. Elle n'a définitivement pas survécu. Bon, pas grave. Donc, on va se sauvegarder, bien entendu. La question étant, comment on s'y prend? Toi, tu vas te mettre ici, mais t'as plus beaucoup de vie. Toi, t'as... Non. Maudit truc. Toi, t'as encore 3 coups, donc de toute façon, je vais être obligé de laisser Sov se mettre ici. Quoique non. Bah non, j'ai beaucoup mieux. Toi, tu vas te mettre là. En attente. Toi, tu vas te mettre ici. Et tu vas enlever ton arme. Et Sov va se mettre ici, et il va utiliser, bien entendu, une potion. Voilà, comme ça, les deux ne peuvent plus passer. Et ça m'assure que... Ben voilà, il... Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content. Ouais, tout d'un coup, t'as plus la même précision, toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Voluc, tu vas aller ailleurs. Toi, tu vas balancer un coup de hache en fer. Je veux dire, si tu touches, tant mieux. Parfait. Si tu touchais pas, tant pis. Attendez une minute. Toi, t'as combien de mouvements déjà? T'en as 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, toi, je vais pouvoir te mettre ici. Donc, toi, il faut que je te mette là. Toi, tu te ramènes ici, mais je doute que tu puisses faire quoi que ce soit. Ouais, 33% de précision, j'aime pas énormément. Donc, on va rechanter. Et tu peux l'attaquer. Alors, qui?
La réponse semble être personne. Du moins, pas quelqu'un qui me préoccupe beaucoup. Ça va être un petit peu du gâchis parce que, ben, tu vas pas... Tu vas pas gagner exactement... Enfin, c'est, t'avais pas besoin de 11 points d'expérience, mais au moins c'est fait. Changement de classe. Voilà. Donc c'est sûr que ça va pas aider énormément d'un point de vue dégâts, mais ouais. Il a rien de spécial, à part qu'il passe désormais à plus 10% de critique, ce qui est pas si mal. Et ben c'est tout. Et on n'a pas fini. Ah oui, non, ça va être toi non plus. Toi, t'avais pas de magister parce que t'étais déjà relativement bien avantagé et tout ça. Bah écoute, tant pis. Tu te débrouilleras. Toi, tu vas faire tout le tour, je suppose, et Mikaya aussi, et normalement, ça devrait être déjà pas mal. J'ai trouvé que Sob est quand même réussi à relativement bien survivre. C'est pas de l'acharnement, ce truc-là, là. Et ouh, il a raté. Le grand arc a déjà pas une énorme précision. Donc, ouais. Comme ça, après 8, c'est triste, mais j'y survivrai. Parfait, aïe. Alors, idéalement, j'aimerais bien promouvoir Edward et j'aimerais bien te donner de l'expérience à toi aussi. Donc, bon. Déjà, toi, t'as quoi? Déjà, t'as initiative que je récupère immédiatement. Vous avez quoi? Vous avez 17 de vitesse et 17 de vitesse. Et toi, t'as plein de vitesse dans ma fosse. Mais fiez parce qu'ils peuvent vous piquer vos objets, hein, s'ils ont assez. Donc, ouais. Donc, on va déjà récupérer ça pour que Sof puisse piquer quelques autres trucs. Et toi, est-ce que... Non, non, t'as une précision lamentable. Tu peux tuer personne. Et toi, je veux pas te tuer parce que t'as encore initiative, équité et pièce. Et bizarrement, la pièce, je veux bien la récupérer. J'en veux pas. C'est autre chose que je veux. Un truc qu'il faut se souvenir, par contre, c'est que les voleurs rapportent beaucoup d'expérience à tuer, donc je préférerais les donner à Edward et à Gilles, mais Gilles va avoir du mal à les toucher à cause de leur excellente vitesse. Edward aussi, techniquement, mais bon. Il riposte, qui est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Carthagonie, mais c'est tout. Donc si tu parviens à le tuer, c'est super. On va se sauvegarder au cas où l'attaquer le fasse fuir ou le fasse disparaître, genre « Ouh, ninja !» Mais normalement, c'est bon pour eux, ils vont pas pouvoir se barrer. Ah, par contre, si tu touches, t'es impressionnant. T'as touché, waouh. Aïe. 8, pas mal. Toi, idéalement, je veux bien que tu décèdes, par contre. Alors, non, je ne sais pas comment. Quoique, il peut se ramener ici, mais il attaquera que Leonardo, et tu te fais dégommer, Leonardo. Tu sais quoi, on va juste sauvegarder. T'as zéro de critique, donc c'est pas gênant. Et tu le touches en plus. Ah, parfait. Bah de toute façon, lui, il peut faire quoi? Il peut pas faire grand-chose, donc... Il peut attaquer Laura. C'est le pire qu'il puisse faire. Donc on va juste... mais on va... Ouais, je vais sauvegarder par principe, et on va juste voir ce qu'il fait. Et il réattaque Meg. C'est un peu un tour gâché, mais je suis un peu bloqué à cause du type avec Météor, à cause du fait que j'ai les deux voleurs que je veux gérer avant de pouvoir passer à autre chose, et je veux que les deux voleurs soient donnés à des personnages bien précis, et oh oh. Ouchaya.
Heureusement qu'ils font ça dans le désordre. Aïe. Alors, lui, de toute façon, il n'a plus que la carte agonie, donc s'il meurt, c'est cool. Non, raté. Ah, il est raté aussi, mais non, chacun son tour. Toi, on va bien quitter. Et désormais, la seule chose qui lui reste, c'est la pièce, donc s'il meurt, je m'en fiche. Ah. Bah écoute, c'est pas grave. Et toi, t'as encore un de météores. J'aime pas cette situation, je la déteste. Je la déteste, mais ça a poussé cet imbécile à se décaler de sorte que maintenant il est plus exactement au même endroit, donc je vais pouvoir lui dégommer la face plus tranquillement. Nolan, tu m'énerves, arrête de prendre des dégâts. Donc désormais, lui, il a plus que son inferno. Donc il va arrêter de nous casser les pieds avec sa maudite magie. Est-ce que tu peux le toucher? Non. Mais lui, si. Ouais. C'est pas grave. Est-ce que tu peux le toucher? Oui. Bon, il y en a au moins un des deux qui est mort. Et comme vous le constatez, ouhou, l'expérience. Ouais, en fait, je pense que c'est... Quoique toi, t'en as besoin aussi, techniquement, donc bon. Toi, tu vas chanter pour son salut. Ça fait pas de précision, non, leur... Tous les dégâts que vous vous prenez. Mais il peut pas mourir, donc voilà. Et lui, il va toucher, bien entendu. Ah non, bon, bah c'était inutile des deux côtés. Mais au moins, je les aurais rapprochés l'un de l'autre. Hein, un peu de précision. Peut-être que tu peux. Bon, ça va aider, on va dire. Touche! Mais c'est pas possible! Bon sang, je sais que c'est pas simple, mais y a quand même des limites à tout. Leonardo, tu vas te décaler. Tu le tues, parce que j'en ai marre de ce type. Ça, c'est de l'expérience que j'aurais préféré donner à Gilles ou à Edward, mais ni l'un ni l'autre ne parvient à tuer les... Enfin, si. Gilles a réussi à tuer la personne que je voulais qu'elle tue. Mais Edward, il n'y arrive pas, et je vais finir par demander à Gilles de le faire aussi, parce que comme ça sera fait. Voilà. Enfin, après, j'imagine que oui. Voilà, lui, il est en super 10 d'esquive de bonus, c'est pas grave. Donc, toi, tu vas soigner. De toute façon, j'ai l'impression que tu n'es pas prête de faire autre chose. On démarre en E. Donc, si je veux qu'elle puisse taper hein, avec la magie du jour un jour... Ouais, un jour... va falloir que je m'y mette bientôt. Donc, le cheval est noir. Tu vas te mettre là. Et sauve, tu vas lui emprunter la carte agonie parce qu'après tout, c'est de l'XP bonus pour toi. Et comme ça, c'est fait. Ok. Aïe. Touche. Mes personnages me laissent un peu... Ouais. Mais pour une raison quelconque, je suis presque sûr que quand je vais regarder, je vais découvrir que Nolan est probablement encore une fois en biorhythme faible. Là où ce type était en optimal. Alors non, biorhythme faible, biorhythme faible. D'accord, donc Nolan, t'as juste été nul. Genre pitoyable. Est-ce que tu peux le toucher? Non, parce que maintenant t'es en biorhythme nullissime et lui il est en biorhythme suprême. Et toi t'es en biorhythme suprêmement nul aussi. Tiens, t'es lourde. Bon, c'est une chance sur deux. Ça devrait toucher à un moment. Je veux dire, il faut que je fasse combien de piles ou faces pour avoir enfin un pile et que j'arrête de faire des faces. C'est pas comme ça que ça marche, les statistiques, normalement. Enfin, je suis presque sûr.
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, bah écoutez, on va continuer comme ça, hein. Je veux dire, moi j'aimerais essayer de donner l'expérience à ceux qui m'arrangent. Oh, wow, là tu vas pas l'esquiver par contre. Aïe! Touche! Bien! Plus qu'un niveau et t'auras ta promo. Parce que je crois que c'est elle qui a le magister, justement. Ok, c'est un peu comme tout à l'heure. Ça te convence pas ta technique. Ouais, c'est elle qui a le magister. Mais ça aide sur d'autres points, donc c'est pas grave. Épée fer. 14 x 2, tu le tues pas. Épée acier, tu n'as pas une bonne précision. Mais il y a Raphil, donc au pire, si tu le tues pas, c'est pas dramatique. Il y a toujours un coup bonus, mais non, c'est bon. Bien, donc ça, ça marche. Toi, tu vas nous faire un petit coup de sacrifice, parce que j'ai pas envie que Laura reste avec 10 PV. Enfin, 15. Toi, tu vas soigner Mikaya pour la même raison. Et on en a enfin fini avec ça. Donc Gilles est pas si loin de sa promotion. P est pas si loin de ta promotion. Il reste juste à gérer tout ce paquet d'ennemis. La vache. C'est ridicule. Est-ce que j'ai dit que c'était ridicule? Il y a plus d'archer avec un très long arc. Non, il y a juste un archer tout court. Ouais, j'ai pas besoin de plus de gens autour, hein. En vérité, Nolan, je vais même pas le bouger, c'est juste pour retirer Leonardo et éviter qu'il se croit que je m'en fiche, qu'il se fasse attaquer. Il est capable d'encaisser, le bougre, il a des PV. Pas à ce point de PV, mais il en a. Donc, voilà, Nela, tu vas rejoindre. Je suis un peu ennuyé, j'ai eu beaucoup besoin de me servir de Nela et du Chevalier Noir, et d'habitude, je m'en sers absolument pas. Mais d'habitude, je fais une meilleure répartition d'expérience. Ok. Pitié, mec, dis-moi que tu peux encaisser deux attaques. Aïe! C'est une épée, ça devrait aller. Faut juste pas qu'elle le tue. C'est bon, elle le tue pas. Ou alors, faut m'expliquer comment elle fait. J'adore le fait que moi, un type à 47 ou 60% de précision, il a fallu que j'attaque 5 ou 6 fois avant de le toucher. Mais que ces types, avec 50%, ils tendent à toucher vraiment régulièrement. C'est la loi inverse des statistiques. Quand ça les arrange, les statistiques, elles sont dans votre face. Donc toi, tu vas en retraite. Gilles, tu n'as pas assez de mouvement, forcément. Et pourquoi en aurais-tu assez? Parce que nous sommes en intérieur et qu'apparemment, les dragons, c'est des dragons de la, un peu de la taille d'un cheval, ça vole moins bien dans l'intérieur d'une maison qu'à l'extérieur. J'ai pas voulu valider! Je veux dire, sincèrement, je n'ai pas voulu valider. J'ai même pas vu la fenêtre m'indiquant les stats. C'est grotesque. À chaque fois, honnêtement, je me souvenais pas de cet aspect-là du jeu, mais si je maintiens appuyé le bouton, ça fait comme si j'avais validé effectivement l'action et ça me la compte. Et c'est stupide, ça devrait pas fonctionner comme ça. Je suis désolé, ça devrait pas fonctionner comme ça dans aucun jeu. J'ai même pas pu voir les informations comme quoi j'avais sélectionné mon action ou tout ce qui va derrière. Je voulais juste voir les dégâts, j'ai même pas eu le droit. Bref, je sauvegarde. En suivant, je m'attends à ce que le type qui attaque à distance attaque... Quoique. Bien, au moins t'as réussi à esquiver cette fois. 2.
2. Ils ont plus de soigneurs. Je crois, j'espère. Ils ont plus de soigneurs, ils ont plus que des mages. Donc, Mikaya, tu régénères un peu. Et toi, tu peux... Tu meurs pas si tu rates. Mingo. Bien. Donc, t'as quand même réussi à esquiver un coup d'épée, ce qui est pas mal. Parce que normalement, ça devrait pas t'avantager plus que ça. Bien. Je suis content que tu sois promu. Tu peux beaucoup attaquer à la lumière. Ouais, non, malheureusement. Galdrar. Doucement. Ah, t'as une hachette. Ah, Big, t'as une hachette. Vous avez tous les deux une hachette. Ah, ça c'est pourri. Mais toi, par contre, tu te déplaces pas, a priori. Voilà, on va déposer Raphil juste ici. Edward, tu vas te mettre là, je pense. Tu vas prendre l'épée vent. Toi, tu vas t'équiper avec la hachette. Et je pense qu'on va juste sauvegarder la bataille ici et voir ce que ça donne. Idéalement, je m'attends à ce que l'IA attaque Nela. Non, il t'attaque Gilles. Peut-être parce que tu fais que dalle. Mais 4 quand même. Faut être pire. Et toi, t'attaques Edward, mais Edward, il y a une épée vent. Critique! Yay! Et t'aimes plutôt bien.